bonjour, bonsoir, téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti. Eh bien, Jean, vous connaissez déjà, dans le souci pour nous informer sur comment la situation a évolué dans la ville de Port-de-Paix. On est capable de dire 3 jours après le tremblement de terre qui a frappé la ville ça, et samedi 6 octobre passé. Donc, nous sommes toujours sur place pour nous informer, Jean, vous dit déjà, minute après minute, seconde après seconde, sur comment la situation a évolué. Eh bien, Jean, regardé là, Jean, constaté là, le travail de déblayage a commencé. Génie militaire haïtien est déjà sous place. Alors, il est sous place depuis dimanche. Donc, il a été fait un premier travail qui c'était évaluer la quantité de dégâts. Donc, qui déjà fait. Jeudi, mardi et 9 octobre 2018, là, il est sous place, il est tamé avec des blayages. Actuellement, là, nous avons 8 morts par côté, n'a pas assisté. Alors, nous avons suivi l'école Saint-Jules-Pierre-Louis qui était dans un premier temps. Alors, fissuré par le tremblement de terre, et par la suite, il va tomber après et il a gagné une réplique. Donc, c'est comme ça la situation est présentée. Le travail a déjà commencé, le déblayage a commencé à faire. Donc, c'est toujours dans le cadre d'appui que l'État central te prend décision sous leadership Premier ministre Jean-Henri Séan. Donc, pour porter assistance, pour accompagner la population, on est capable de dire qui est victime après et c'est ça qui est passé sous le pays d'Haïti. Donc, Jean, vous constatez là, Jean, vous regardez là, c'est comme sa situation est présentée. Et présentement, dans la ville de Port-de-Paix, vie normale là, qui est censée commencer à retourner. Depuis hier, vous avez constaté ensemble avec nous, le business est censé reprendre. Taxi, normalement, il a fait travail, maison de transfert, il a commencé à fonctionner normalement. Donc, Jean nous dit, la vie normale, il a commencé à reprendre dans la ville de Port-de-Paix et responsable sous place pour porter assistance à la population qui est victime. Donc, dans ce sens, nous invitons tous à suivre avec nous, il y a un entretien que nous avons gagné avec un responsable, corps génie militaire qui est sous place, qui a fait travail de déblayage dans la ville. On suit. Et 30 a dépassé. Il fait des dégâts qui ne sont pas trop considérables mais qui sont assez conséquents pour la population dans la zone. La population est traumatisée après ces histoires. Dans le cas de travail, la première étape là, il était faire évaluation et évaluer les dégâts. Évaluer comment la population est touchée et qui intervient sur les dégâts. Là, nous avons quitté pour le prince, nous avons quitté pour avec deux équipes. Une équipe d'intervention du corps du génie militaire qui a intervenu dans l'infrastructure. Une équipe d'intervention médicale qui fait partie du corps médical qui a intervenu dans le domaine médical là, pour appuyer. Depuis la ville, lundi dimanche dans la matinée, nous avons passé dans l'hôpital là, pour regarder qui a besoin. En même temps, nous avons passé pour quelques évaluations pour regarder ça qu'on a fait. Depuis dimanche, nous avons fait intervention, plusieurs interventions dans la ville là, nous participons dans le déblayage. Comme on a là, on a l'école qui est tombée après le deuxième secours là, après la réplique là, nous avons déblayé pour le moment. Pour évaluation, nous évaluons 3 communes. Nous évaluons Gaumont, nous évaluons Port-de-Paix, nous évaluons Saint-Junot. L'intervention d'affaires la plus structurelle. Nous avons pu aider des communautés à faire des interventions, des problèmes qui sont structurels pour que la société fasse face. Nous allons aider dans les nettoyages dans le Rio, nous allons aider dans les nettoyages qui sont canal. Au niveau médical, nous allons organiser des cliniques mobiles dans la cité populaire, dans la population. Et en prenant les cliniques mobiles, nous allons profiter d'un appui psychosocial, d'un appui psychologique à la population touchée. J'aime dire le constat, c'est que les populations sont traumatisées après sa crise. Bonjour, bonsoir, téléspectateurs de télévision nationale d'Haïti. Eh bien, Jean, vous connaissez déjà, dans le souci pour nous informer sur comment la situation a évolué dans la ville de Port-de-Paix. On est capable de dire 3 jours après le tremblement de terre qui a frappé la ville ça, et samedi 6 octobre passé. Donc, nous toujours sur place pour nous informer. Jean te dit déjà, minute après minute, seconde après seconde, sur comment la situation a évolué. Eh bien, Jean, regardez là, Jean, constaté là, le travail de déblayage a commencé. Génie militaire haïtien est déjà sous place. Alors, il est sous place depuis dimanche. Donc, il a été fait un premier travail qui c'était évaluer la quantité de dégâts. Donc, qui déjà fait. Jeudi, mardi et 9 octobre 2018, là, il est sous place, il est tamé avec des blayages. Actuellement, là, nous avons 8 morts par côté, n'a pas assisté. Alors, nous avons suivi l'école Saint-Jules-Pierre-Louis qui était dans un premier temps. Alors, fissuré par le tremblement de terre, et par la suite, il a tombé après et il a gagné une réplique. Donc, c'est comme ça la situation est présentée. Travail a déjà commencé, déblayage a commencé à faire. Donc, c'est toujours dans le cadre d'appui que l'État central te prend décision
sous leadership Premier ministre Jean-Henri Séan, donc pour porter assistance, pour accompagner la population, on est capable de dire, qui est victime après et c'est ça qui est passé sous le pays d'Haïti. Donc, Jean a constaté là, Jean a regardé là, c'est comme sa situation présentée et présentement dans la ville de Port-de-Paix. Vie normale là, qui est censé commencer à retourner. Depuis hier, on a constaté ensemble avec nous, le business est censé reprendre. Taxi, yo, normalement, il a fait travail, maison de transfert, il a recommencé à fonctionner normalement. Donc, Jean a dit, la vie normale, il a commencé à reprendre dans la ville de Port-de-Paix et responsable sous place pour porter assistance à la population qui est victime. Donc, dans ce sens, nous invitons tous à suivre avec nous un entretien que nous avons gagné avec un responsable, un corps génie militaire qui est sous place, qui a fait travail de déblayage dans la ville. On suit. Et le tremblement de terre a passé, il fait des dégâts qui ne sont pas trop considérables, mais qui sont assez conséquents pour la population dans la zone. La population est traumatisée après ces séismes. Dans le cadre de travail, la première étape a été faite évaluation et évaluer les dégâts. Évaluer comment la population a touché et qui intervient sur les dégâts faits. Les notes qui étaient pour Au-Prince, qui étaient pour vous avec deux équipes. Une équipe d'intervention du corps du génie militaire qui a intervenu dans l'infrastructure. Une équipe d'intervention médicale qui est partie du corps médical qui a intervenu dans le domaine médical là pour appuyer. Depuis l'année là, lundi, dimanche, dans la matinée, nous avons dépassé dans l'hôpital là pour regarder qui a besoin. En même temps, nous avons dépassé pour évaluation pour regarder ça dans le café. Depuis votre dimanche, nous avons fait intervention, plusieurs interventions dans la ville là. Nous participons dans le déblayage. Comme quand là, on a l'école qui est tombée après le deuxième secours là, après la réplique là, nous avons déblayé pour le moment. Pour évaluation, nous évaluons trois communes. Nous évaluons Gaumont, nous évaluons Port-de-Paix, nous évaluons Saint-Gino. L'intervention n'a fait la plus structurelle. N'a plus aidé des communautés dans des interventions, problèmes qui sont structurels pour que la société a fait face. Donc, nous allons aider dans les voyages dans le Rio, nous allons aider dans les voyages curage canal. Au niveau médical, nous allons organiser des cliniques mobiles dans la cité populaire, dans le cadre des populations. Et en prenant les cliniques mobiles, nous allons profiter d'un appui psychosocial, d'un appui psychologique à la population touchée. J'aime bien dire le commencement, comme ça, c'est que les populations sont traumatisées après sa crivée. Bonjour, bonsoir, téléspectateurs, télévision nationale d'Haïti. Eh bien, Jean, vous connaissez déjà, dans souci pour nous informer sur comment la situation a évolué dans la ville de Port-de-Paix. On est capable de dire trois jours après le tremblement de terre qui a frappé la ville et samedi 6 octobre passé. Donc, nous toujours sur place pour nous informer, Jean te dit déjà, minute après minute, seconde après seconde, sur comment la situation a évolué. Eh bien, Jean, vous regardez là, Jean constate. Là, le travail de déblayage a commencé. Le génie militaire haïtien est déjà sous place. Alors, il est sous place depuis dimanche. Donc, il a été fait un premier travail qui était évaluer la quantité de dégâts. Donc, qui déjà fait. Jeudi, mardi et 9 octobre 2018, là, il est sous place. Il a tamé avec le déblayage. Actuellement, là, nous avons 8 morts par côté, n'a pas assisté. Alors, on a suivi l'école Saint-Jules-Pierre-Louis. Qui était dans un premier temps, alors fissuré par tremblement de terre, et par la suite, qui a tombé après et était gagné une réplique. Donc, c'est comme sa situation a présenté. Le travail a déjà commencé, le déblayage a commencé à faire. Donc, c'est toujours un cadre appui que l'État central te prend décision sous leadership Premier ministre Jean-Henri Séan. Donc, pour porter assistance, pour accompagner la population, on est capable de dire qui est victime après et c'est ça qui est passé sous le pays d'Haïti. Donc, Jean a constaté là, Jean a regardé là, c'est comme sa situation a présenté et présentement dans la ville de Port-de-Paix. Vie normale là, qui est censé commencer à retourner. Depuis hier, on a constaté ensemble avec nous, le business est censé reprendre. Taxi, yo, normalement, il a fait travail, yo, maison de transfert, yo recommencé à fonctionner normalement. Donc, Jean a dit, vie normale, yo, commencé à reprendre dans la ville de Port-de-Paix et responsable sous place pour porter assistance à la population qui est victime. Donc, dans ce sens, nous invitons tous à suivre avec nous un entretien que nous avons gagné avec un responsable, un corps génie militaire qui est sous place, qui a fait travail de déblayage dans la ville. On suit. Le tremblement a dépassé, il fait des dégâts qui ne sont pas trop considérables, mais qui sont assez conséquents pour la population dans la zone. La population est traumatisée après ces séismes. Dans le cadre de travail, la première étape a été faite évaluation, évaluer les dégâts, évaluer comment la population a touché et qui intervient sur les dégâts faits. Les notes qui étaient pour Au-Prince, qui étaient pour avec deux équipes. Une équipe d'intervention du corps du génie militaire qui a intervenu dans l'infrastructure. Une équipe d'intervention médicale qui est partie du corps médical qui a intervenu dans le domaine médical là pour appuyer. Depuis l'année, là, lundi, dimanche, dans la matinée, nous avons dépassé dans l'hôpital là pour regarder qui a besoin. En même temps, nous avons dépassé pour évaluation pour regarder ça dans le café. Depuis votre dimanche, nous faisons intervention, plusieurs interventions dans la ville là. Nous participons dans le déblayage. Comme quand là, on a l'école qui est tombée après le deuxième secours là, après la réplique là, nous avons déblayé pour le moment.
Pour évaluation, nous évaluons trois communes. Nous évaluons Gaumont, nous évaluons Port-de-Paix, nous évaluons Saint-Junot. L'intervention n'a fait la plus structurelle. La plus aide des communautés dans des interventions, problèmes qui sont structurels pour que la société fait face. Donc nous allons aider dans les voyages dans le Rio, nous allons aider dans les voyages curage canal. Au niveau médical, nous allons organiser des cliniques mobiles dans la cité populaire, dans le cadre des populations. Et en prenant les cliniques mobiles, ça va profiter de l'appui psychosocial, de l'appui psychologique à la population touchée. J'aime dire le constat, c'est que la population est traumatisée après sa crise.